chers auditeurs, aujourd'hui on va parler des vertus du jeûne qui représente l'un des principaux piliers de l'islam qui, hormis ses vertus spirituelles, représente de grands bénéfices sur notre santé puisque au cours du jeûne, notre corps permet d'éliminer les toxines et ça nous permet de toxifier, de purifier le corps. Aussi, au cours du jeûne, notre corps puise de ses réserves, ce qui permet une perte de poids. Et qui dit perte de poids, dit lutte contre les principales maladies, notamment les maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension ou bien la dyslipidémie, et aussi lutte contre les maladies cardiovasculaires. Mais malheureusement, au cours du mois de Ramadan, on constate une certaine augmentation du nombre de calories, qui peuvent passer jusqu'à 3000 calories chez la femme et 5000 chez l'homme, qui représentent le double des besoins journaliers, ce qui permet d'avoir des répercussions très importantes sur la santé, une augmentation du nombre de maladies et une prise de poids très importante. Donc, durant ces différentes capsules, on va essayer de donner des conseils pour bénéficier des vertus du jeûne sans avoir des répercussions sur notre santé. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.